Alors nettoyer, toucher godasse là. Pas Dieu. Fort, 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 fort. Hein? Salut les amis traders. Alors aujourd'hui c'est une séance un petit peu exceptionnelle parce qu'on va faire un petit coucou à Jean-Charles et pour lui souhaiter un bon anniversaire et une bonne arrivée dans la catégorie des 30 ans. Hein, donc aujourd'hui on va aller faire une petite séance de trail à la station trail de Limbre et on va choisir un petit parcours en son honneur et on va lui dédicacer. Voilà, et on espère que les 3000 km pour les 30 ans, bah, ça va vite se remplir, voire même que tu auras peut-être 60 ans à la fin de la semaine, hein, du coup, hein, je ne sais pas. À voir, allez, ciao! Et on se retrouve tout de suite pour le départ de cette petite course. Allez, ciao! Bon ben voilà, j'y sais, on est arrivé à Limbre, à la station trail, donc je vais faire un petit parcours. Commencer pour inaugurer, on va commencer à se passer au niveau des balises, je vais faire le 10 km et après si tout va bien j'enchaînerai avec le 16. Voilà, alors je ne sais pas du tout où est le lieu de départ, il faut que je cherche après la balise. Allez, on se retrouve sur les pistes. Pas par ici. Et le départ c'est pas par là. Je pense plutôt que c'est par là. Et ben, là voilà ma jolie trace. Je pense plutôt que c'est par là. Eh mon JC, ça commence plutôt bien au niveau paysage. Voilà, donc là on est sur une petite rivière qui s'appelle la A2A. Hein, un grand classique pour les cruciverbistes avertis. Voilà. Cours d'eau en deux lettres. Ah ah! Bon, ça y est, j'ai enfin rejoint le sentier. Franchement, c'est un peu le bazar. Alors, pour ceux qui veulent venir sur la station trail, ici pour retrouver les départs de pistes, alors soit on est du coin et on connaît bien, ou soit on fait comme moi, on télécharge l'application station trail. Je l'ai téléchargé à la va-vite là, sur le bord de la route, parce que au départ, je pensais que ça aurait été plus facile. Et puis au final, ça m'a quand même bien aidé parce que faut réussir à sortir. Il y a quelques ronds-points à passer, quelques endroits un peu pas très bien expliqués. Donc là maintenant c'est bon. Hein, donc je suis sur la trace là. Donc on est sur le 10 bornes. J'ai perdu pas mal de temps au final. ça m'a pris 25 minutes pour trouver le départ du chemin. Allez, on y va. C'est parti. Bon, les petits oiseaux gazouillent et j'entends aussi les chasseurs. Ça tire pas mal là par là-bas dans le coin. Donc je sais pas, peut-être qu'à un moment je mettrai mon caouet orange histoire d'être bien signalé. Thank you.
Bon, là, on est en train de longer un ancien chemin de fer. Ouais, c'est assez kiffant. Ouais, quand j'étais gamin, je rêvais de faire comme dans les feuilletons d'aventure, prendre un baluchon, suivre les chemins de fer, monter dans un wagon et partir à l'aventure. Et ben là maintenant, c'est quasiment chose faite. Bon, c'est un petit peu casse-gueule, hein. Je traverse. Je vais peut-être courir sur le bas-côté. Hein ? On va rester prudent quand même. Hey. Néanmoins, ça manque pas de charme. C'est bio, elle ne leur pas de coller quand même, hein. Mais je dis. Ben, je crois que ce petit cours d'eau, on va le traverser je ne sais combien de fois. Hein. En tout cas, il est toujours beau. Bon. Vous voyez ce qui se profile derrière là, donc on a de la forêt et visiblement du dénivelé. Donc les choses que sérieuses commencent. Allez, c'est parti. Voilà, ça commence à monter. Allez. Belle porte bien boueuse là, trop top. Voilà, on peut voir les traces du calcaire là. Donc on est sur une colline calcaire, hein. Donc il y a beaucoup de craie ici. D'ailleurs on appelle l'Imbre, c'est le pays de la craie, hein. Bon, pour l'instant ça se passe plutôt pas mal. Ouais, c'est un peu dur. Cardio, parce que Bibi s'est pas entraîné, c'est parce que Bibi il a pas fait ses exercices comme il faut. Bon, bah, faut faire très attention là, parce que regardez, voilà, il y a des barbelés. Donc là, ici, c'est chasse gardée là, hein. Et vu que ça mitraille depuis tout à l'heure, faire attention quand même. Allez. Bon, Jean-Charles, si tu me regardes, j'en chie pour toi quand même, hein. Mais bon, qu'est-ce qu'on ferait pas, hein, pour la route du trail. Moi, je te suis depuis le début. Et franchement, tu m'as donné cette petite étincelle d'énergie là, qui me disait, bah oui, c'est possible. Bah oui, c'est possible. Allez, on va le faire. Merci Jean-Charles. Allez, on relance. Bon, on va quitter cette petite route là et on va prendre par ce petit chemin. Ah ouais, donc faut bien le voir, hein. Le numéro 6 là, voilà. Donc faites attention au signalement, hein. Parfois on les voit pas. Alors heureusement, ma petite application à la Bibi là, que j'ai téléchargée juste avant de partir, bah, à chaque fois qu'il y a un endroit où il faut tourner, elle me fait un petit ding, ding, comme ça, et elle me dit, prenez à droite,
prenez à gauche. Donc ça, c'est quand même pas mal. Voilà, allez, c'est parti. Hop. Hop, Jean-Charles. On y va. C'est parti. Je prends pour toi. Prenez à gauche. Ah. Et vous avez entendu ça, prenez à gauche. Et voilà. Hop. Il n'y a plus qu'un. Continuez tout droit. Alors le problème de tout droit, c'est tout droit par là ou tout droit par là? Je vois une balise là-bas, on va aller voir. Personne? Oui. Donc attention, hein. En fait, tout droit, c'est à droite, hein. Et madame, tout droit, c'est à droite, hein. Ah là là, ça va pas, hein. Alors, testons. Ouais. Ouais, ça va coller aux pattes. Un conseil, hein. Faites bien vos lacets, hein, ici, hein. Sinon vous avez perdu une godasse. Hop. Bon, y a pas mal de voitures de chasseurs là, sur les bas-côtés. Pas pu être trop loin d'arriver. Bon ben voilà, j'ai fini mon petit tour, écoutez, la station trail de l'Indre, très très bien. Les parcours sont franchement très sympas. Franchement, il y a de beaux terrains, il y a de belles petites montées, beaux paysages. Il faut faire attention aux chasseurs en ce moment. Et puis, je vous conseille donc de télécharger l'application station trail, de choisir votre parcours, de mettre run, hein, d'appuyer sur on démarre. Et puis vous vous laissez guider parce que c'est quand même très agréable de pouvoir avoir une balise dans la poche. Bon, allez, j'ai assez parlé. Ciao, à la prochaine.